Voilà comment je suis arrivé là. Il y a 3 semaines, j'ai vu mon emploi du temps pour la première fois. J'ai 2 jours consécutifs, donc faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Où je pars? Là, je reçois un SMS de Rémi qui me dit de venir aux Angles si je voulais. Ni une ni deux, j'ai commencé à imaginer ce que je pouvais faire. Où je pouvais aller faire des photos surtout. Ok, il y a un lac, le lac de Balser. Comment on y va? Comment est le relief? Après avoir trouvé réponse à mes questions, et vu qu'une photo potentielle s'y trouvait, j'ai préparé mon sac et je suis parti. 3 heures de route en comptant mes arrêts d'émerveillement où j'ai pu voir les premières lueurs sur le caniveau. Une fois arrivé sur le parking et préparé mon sac pour la journée, c'est parti pour une incroyable randonnée de 3 heures. Arrivé au lac, j'ai eu la surprise de le trouver gelé. Je ne m'y attendais même pas. Sur place, j'ai entendu pour la première fois les sons incroyables qu'un lac gelé pouvait faire. Des genres de fracas venus du fin fond des eaux qui résonnent dans tout le lac. Après avoir mangé mes fameuses pâtes polonaises, direction tout là-haut. Ensuite, une ascension digne des plus grands alpinistes de à peu près 50 mètres de dénivelé. Et voilà comment j'ai atteint cet endroit incroyable. J'avais totalement zappé de filmer une fin à la vidéo d'hier. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé quelque chose d'un peu différent. J'ai toute la trame maintenant, il faut que je passe au montage. Je pense que ça va être long si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et la semaine après cette vidéo que vous regardez maintenant, il y aura une deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui du coup qui sera entièrement faite à la GoPro et ça sera que de mon point de vue, donc c'est pour ça que j'ai ça. C'est une vidéo entièrement du point de vue du photographe, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est aussi un test, donc je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.